Charu Pela Gogo mi vo mi no mujo. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'heure. Tu es tellement à connaître le coup. C'est pour cela que tu dois connecter ta vie à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Comme le rassonner. Nous sommes là, ce que Dieu a dit se réalise. Pour cette raison, réveille-toi de tout sommeil. Et dis au péché. Nouveau péché. C'est fini pour toi. Je vous prie de vous asseoir. Je vous adresse les salutations de la part de l'homme de Dieu. Demandant que Dieu te fortifie et te bénisse. Et que tu t'affermisses. Dans le nom de Jésus. Je sais aussi que tu vois quelqu'un sur le podium. C'est le pasteur de l'église d'Accra. Pasteur Kefas Adamazan Teko. Et là, si tu peux pouvoir me dire, dans les acclamations, nous allons l'accueillir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénit ce matin. L'Éternel s'est souvenu de vous ce matin. Les salutations de la part de Mama Topa pour vous. Ainsi que les fidèles de l'église d'Accra. Qu'il se rappelle toujours de vous. Praise the Lord. Alléluia. Et comme tu me vois ici debout ce matin, Dieu m'envoie spécialement vers toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et crois et aie cette assurance ce matin. Et nous la trollons. Que les choses changeront dans ta vie. Tes pleurs cesseront. Tout fardeau avec lequel tu es venu, l'Éternel Dieu, celui à qui tu appartiens, est ici présent avant notre arrivée. Et j'aimerais te rassurer qu'il s'est préparé spécialement pour toi. Et il changera l'histoire de ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Je vous prie de vous mettre debout. Mahou donkou dinye. Mahou donkou dinye lo. Mahou liklem. No kata mafa konye. Mahou donkou dinye. Mabe mahou donkou. Aujourd'hui est ton jour. Le jour prévu. Le jour qui est écrit d'avant. Pour que le Dieu céleste se souvienne de toi. Et pendant que tu chantes ce que tu dois le savoir et le croire. Que ces paroles se réalisent pour toi. Mabe mahou donkou. Oh,
jinye. Alleluia, Mau. Oh Jesus. Mau donku jinye lo. Mau. Mau donku jinye. Mau likli no kata mafa konyi. Mau donku jinye. Mau donku jinye. Lodo manyo nyota. Elle est donc où la fille de la fille de toi partout. La fille de partout où tu te trouves. Ne l'aigne pas semble. Et pendant que tu es pas si comme toi. La main. La puissance du Seigneur. Elle va pour la fille de la elle parvient vers toi. Elle va pour la fille de la fille. Elle vient vers toi partout où tu te trouves. Ah. Oh. Oulibe. Deco mado libe cabros da takanda batakata batakaya mabedeco mado libe yesu oh yesu mau don kujinye. Le odo menyo nyota esia enye nyanywe o si a tema bakona nyema vofu bakpe o alo yatu tuo. Deco mado libe mau oh Yesu mabedeco mado libe ah mau kasta kando sakanda batakando batakai oh deco mado. Elle donc Dieu fifi là. Il se souvient de toi maintenant. Pourquoi qu'on peut nous ça là? La puissance du Seigneur. Elle se zonge de entre dans ta vie maintenant. Elle est comme de Dieu. Elle se zonge comme au. Que on nous a dit quoi blonde? Ouvre ta bouche. Jehovah est bien rien que qui a. Éternel, Dieu,
Que tout esprit soit détruit. Nous sommes des chiens. Toute puissance. Les esprits de serpents. Les magiens, les sorciers. Et les esprits de Bar Jésus. Les esprits de Tobija de Sambalat soient détruits. Tous ceux qui s'élèvent ce matin. Qu'ils soient frappés. Qu'ils tombent sous tes pieds. Et foulent leurs pieds. Car on t'a donné le pouvoir. De marcher sur le lion et le serpent. De fouler aux pieds le lion sur le dragon. Femme Satan allait. Satan plaisante. Que le feu la consume tous. Que le feu la consume. Qu'il soit totalement anéanti. Qu'il soit enlevé. Aujourd'hui est le jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Mau Akpelo Nemanyewe ole Anye Nemaku Ouch Nemanyewe ole Anye Nemachlo Oh Mau Akpo Oh Mau Ekekela Esasala Mumblani kola mawe Mau Mau Akbelo Oui Fofo nemanya weola Père, nuit était toi Assurément, nous serons déjà morts. Par ta grâce, nous sommes en vie. Et parce que tu as formé un projet à notre égard. En ce jour, ton dessein va se réaliser par nous. La puissance du Saint-Esprit est entrée dans chaque cœur. Et a brisé toute hauteur et toute élévation. Tout obstacle qui est dans la vie des enfants de Dieu est ôté. La puissance des ténèbres sont ôtées. Et la lumière a brillé sur les enfants de Dieu. La puissance de Dieu a sillonné les vies. Puissant du Saint-Esprit les a déliés de tout lien. Toujours sous lequel il ploie. Tout lien qui les retient. Ainsi les jougs sont brisés ce matin. Et les liens sont totalement coupés. Et les maladies sont consumées. Et tu as envoyé ta parole au milieu de nous. Et la parole a œuvré dans nos vies. Ainsi le dessein de Dieu est accompli pour nous. Sa puissance est manifeste dans nos vies. Père, nous te remercions. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Apeto Yesu, we melagbena, de la Yesu, we kwe makuna. Meba apeto Yesu, we melagbena, de la Yesu, we kwe makuna. Fome toa deke, onwa deke. O matematem, bede bede o, okwe anye, olonye baba, yatanye, malo wokoda, o matuadeke, olonadeke, o matematem, bede bede o, okwe anye,
Olonye baba ya tanya maloro koda pome twana ke omana ke omana made bene 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 wo yesu okwe anye Olonye baba ya tanya maloro koda pome twana Christ, ce matin, Dieu m'envoie spécialement vers toi. Avec ce message, dont le thème est tenu ferme pour Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Notre titre, c'est sien. Tiens ferme Namao. Pour Dieu. Frères et sœurs, c'est un thème très important que nous allons méditer. Pour cela, ouvre ton cœur et sois attentif. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ, le temps dans lequel nous sommes, les choses que nous traversons, et nous disons, elles sont difficiles. Et plusieurs ont perdu leur espérance. Plusieurs sont découragés. Plusieurs ont démissionné. Et plusieurs sont troublés et confus en eux-mêmes. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu dit que toutes ces choses sont les débuts des douleurs de l'enfantement. Les choses vont aller de mal en pis. Les choses se produiront.
Le mot vovovovo dit d'une manière ou d'une autre. Mi apoto Jésus Christ là. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous a dit comment les choses vont se passer. Nous yata. C'est pour cela. Tanya le gogblombe. Que le terme dit. Titre nono sesiena mau. Tenir ferme pour Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nano titre sesiena mau. Que tu tiens ferme pour ton Dieu. Emma le fiafia encotebe. Cela démontre spécifiquement que. Et nous si on le jojoge là. Les choses qui vont arriver. Dieu ne voudrait pas qu'elle t'affecte. Dieu ne voudrait pas qu'elle te détruise. Il veut que tu tiennes pour lui. Car il a formé un projet spécial pour ta vie. Quand Dieu formait ses projets, il s'est souvenu de toi et de moi. Frères et sœurs, raison pour laquelle nous sommes dans ce temple. Amen. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es dans ce temple. Et parce que Dieu a réfléchi. L'Éternel a formé un projet d'avance. Que l'Éternel a dit quelque chose d'avance. Que l'Éternel a fait une promesse d'avance. C'est pour cela que tu es présent ici. Sinon tu ne serais pas ici. Frères et sœurs, raison pour laquelle tu entends ces paroles que tu écoutes. Bien aimé en Christ. Pour cette raison, ce matin, ouvre ton cœur. Et parce que le dessein de Dieu va s'approcher de toi. Et sa puissance va s'approcher de toi. Ses dons vont s'approcher de toi. Et sa parole va entrer dans ta vie. Amen. Amen. Allons dans 1 Corinthiens. Et ton. Le chapitre 15. Mais le coucou, Platon va enilia. Nous lisons à partir du verset 58. Yes. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'état enyala le gbogblombe. Pour cette raison, la parole dit. Eyata novinye lonoto minote sesie mava mava. Ey mi gbagoda sile apeto pe dowo wome. Esimienye bena. Mi ape agbagba jeje. Manye jojo la petolame o ntila. Praise the Lord. Alléluia. Enyala toji le gboglombe. La parole commence en disant Eyata. Pour cela. Nukata. Pourquoi? Nusi le jojoge. Ce qui va arriver. Nukata. Et pourquoi? Nusi se genala. À cause de ce que tu vas entendre. Nukata. Pourquoi? Nusi pogenala. À cause de ce que tu vas voir. Le dome. Au bureau. La cime. Au marché. Le soukou. À l'école. Le moto doadi. Dans la rue. Novio, frères et sœurs, le nyajojo ome dans les événements vo différemment. Le yata pour cette raison, enyala le gbogblombe. La parole dit, novi lonloto, frère bien-aimé, et vigne lonloto, mes enfants bien-aimés. C'est que des fiokotebe qui démontre clairement que maulo ale gbegbe. Dieu aime, Dieu t'aime tellement. Dieu fait quoi? Tronner nos vies à d'un type grand nos vies. Maoulo à l'ébébé. Dieu t'aime tellement. Maoulo à l'ébébé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maoulo à l'ébébé. Dieu t'aime tant. Mais quand on est beau, ne l'oublie jamais. Et j'ai comme plus au plus long. Il a commencé avec toi avec amour. Et le nous gâte plus long. Et il va finir dans l'amour. L'enlotto le Christ au même. Bien aimé en Christ. La parole de Dieu dit, le yatala. Ainsi, nos vies l'ont tout. Frères bien-aimés, nos titres cessent. Soyez fermes, maba, inébranlables. Maintenant, entre dans ta vie. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, jusqu'à ce jour, le crier ou pas que
Zozochole. Et comment se présente-t-elle ton évolution avec Dieu? Est-ce que tu tiens ferme? Alors, ou es-tu tombé? Mon frère, ma soeur, es-tu faible? Alors, ou tu es toujours courageux? Es-tu mort? Alors, ou tu es encore en vie? Cette parole se divise en deux. La première partie, c'est que Dieu veut que tu tiennes ferme. Car si on te demande de tenir ferme, cela veut dire qu'on peut tomber. Bien aimé, on peut tomber. Il y a la chute. C'est pour cela que nous venons à l'église. Mon frère, ma soeur, ne prend pas le culte qu'on donne à Dieu à quelque chose d'anodin. Et ne plaisante pas avec le culte qu'on donne à Dieu. Car Dieu a formé un projet pour ta vie. Le projet qu'il a formé, il veut le mettre en toi. Pour que tu sois à son service. Pour la manifestation de ce projet. Mais avant sa manifestation, tu dois être formé. Tu dois être éduqué. Tu dois être instruit. Tu dois recevoir les enseignements. Pour connaître ta gauche et ta droite. Afin d'être ferme. Bien-aimé en Christ. Connais que tout ce que nous entendons dans ce temple, que notre Père nous a remis dès le départ jusqu'à maintenant, si tu les examines, tu verras reconnaître que toute parole qu'il dit, il parle toujours de la conduite, il parle toujours du changement. Comment l'homme doit se remettre en cause? Comment l'homme doit établir un lien avec son Dieu? Car c'est nous que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu nous a choisi nouvelle vie. Oui. Pour que nous brillions dans ce monde. Pour manifester sa gloire au travers de nous. Que par nous, plusieurs soient sauvés. Que plusieurs trouvent le salut de Dieu. Que plusieurs connaissent Jésus. Pour que plusieurs connaissent la vérité. Frères et sœurs, nous avons entendu le dimanche. Le pasteur nous l'a dit. Ce que nous avons entendu le dimanche. Frères et sœurs, elles sont très importantes. Elles sont très importantes, avec lesquelles tu ne dois pas plaisanter. La parole que nous écoutons, si tu reçois la parole et que tu pratiques cette parole, c'est grâce à cela que tu ne tomberas pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La chute est très facile. Tomber, c'est quelque chose de facile. C'est pour cela qu'on nous enseigne d'être vigilant, d'être sobre, de faire attention, d'examiner les choses et de les éprouver, de prier et de poser des questions à Dieu. Si tu veux poser un pas, si tu veux entreprendre quelque chose, si tu veux marcher avec quelqu'un, si tu veux te marier dans tes différentes entreprises, tu dois beaucoup prier. Car si on te dit ne tombe pas, cela veut dire que la chute existe, que chuter c'est très facile, mais se relever de sa chute, tout se passe là-bas. Amen. Amen. Et ta Bible le bobombe. C'est pour cela que la Bible dit. Il dit, soyez ferme. Si le fiafiamba, qui veut dire que le vent va souffler. Que les tempêtes vont souffler. Et si le jajage, qu'il y aura de grandes pluies. Et ces vents vont se diriger vers toi. Le mot vovodi. D'une manière ou d'une autre. Mais si tu tiens ferme. Et si tu poses solidement tes pieds sur le sol. Dans ta parole. Dans la parole.
de tout ce qu'on t'a donné ici. Que tu les gardes. Frères et sœurs bien-aimés. Le vent va souffler. Il y aura la pluie. Il y aura la tempête. Et toi, tu resteras toujours sur le rocher. C'est pour cela que Jésus l'a dit. Que quiconque entend mes paroles, et il les met en pratique. Je vais le comparer à un homme sage. Je vais le comparer à une femme sage. Qui s'est bâti sur le roc ou le rocher, sur la parole. Ainsi, quand vient la pluie et quand vient la tempête et quand il y a une guerre, quand il y a la persécution, et de différentes manières, tu ne tomberas pas. Alléluia. Tu as une ville forte pour l'éternel. C'est très important pour l'éternel. Et tu es vaillant pour l'éternel. Et l'éternel ne veut pas que tu tombes. Alors scinde donc tes reins, mon frère, ma soeur. Car tes lampes vont continuer à briller. Car tu as une mission importante à accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible continue en disant: et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. C'est pour cela qu'on nous a appelés. Car le Seigneur a des tâches différemment. Il n'y a personne ici dans ce temps qui n'a pas de mission, qui n'a pas de don, qui n'a pas de capacité. Car Dieu t'a donné quelque chose. Ainsi, ce que Dieu t'a donné, l'œuvre que tu fais, on te demande de l'accomplir de mieux en mieux. Que tu grandis dans cette œuvre, que tu te multiplies dans cette œuvre. Alléluia. Et ne baisse pas les bras vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, à cause des événements, plusieurs ont décidé en eux-mêmes qu'ils ne vont plus travailler pour Dieu. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, change tes pensées. Car c'est toi que Dieu a choisi. Et il veut que tu fasses cette œuvre pour lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'as-tu entendu? Qui fait que l'œuvre du Seigneur, tu n'as plus d'empressement pour elle? Non. Change donc tes pensées ce matin. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons comprendre que quiconque accomplit l'œuvre du Seigneur, quiconque s'efforce vis-à-vis de l'œuvre, et il ne manquera pas d'obtenir son salaire. Ce matin, Dieu m'envoie vers toi pour te dire que toute œuvre que tu as faite pour lui dans ce temple, frères et sœurs, dès le début jusqu'à maintenant, il ne manquera pas de te le rendre. L'Éternel va te rémunérer. L'Éternel te bénira. C'est pour cela que, mon frère, ma sœur, nous devons nous encourager les uns les autres dans l'œuvre. Ne décourage personne. N'affaiblis personne. Nous devons nous encourager les uns les autres pour que l'œuvre du Seigneur continue à s'élargir. Et qu'est-ce que tu vas aller présenter à Dieu dans le ciel? Frères et sœurs, c'est l'œuvre. Qu'est-ce qui va t'accompagner? C'est l'œuvre. L'œuvre de Dieu. Il rémunère pour elle la pour sur cette terre et dans le royaume des cieux aussi. Tes pensées doivent changer. Tu dois donc travailler de mieux en mieux. Tu dois croître dans l'œuvre. Et parce que l'Éternel dit qu'il ne l'oubliera point.
qu'il ne va jamais t'oublier. Jamais, jamais. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons nous encourager les uns les autres. Et c'est une partie de l'œuvre que nous avions entendue le dimanche dernier. C'est le salut des âmes. Mais frères et sœurs, il est important que tu commences. Quels sont les frères qui sont découragés ou affaiblis? Lesquels ne viennent plus à l'église? Qui ira vers eux? Qui ira les fortifier? Qui ira leur parler? Frères et sœurs, Dieu s'attend à toi. Dieu a confiance en toi. Et l'Éternel se confie en toi. Pour cette raison, tu dois savoir que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va te rémunérer pour cela. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Pour cela, tous les frères et sœurs que tu connais, qui sont devenus faibles, qui sont découragés, qui ont perdu leur espérance, Dieu t'envoie vers eux. Que tu ailles leur parler. Que tu ailles les ramener ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cela, allons un peu de l'avant. Dans Hébreux 2. Dans Hébreux le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est bon, bena. Elle a bena ma ou menye majo majo to. Be wang lo mi ape do wok ple. Long long. Si mi e defia le pen ko ta. Le si me. Mi e subo ame kokwea o. Eye mi e gale e di. Le wo subom la be o. Ke. Mi e le di dim. Ve vie bena. Ni a domé, à me si a me, n'a de vevier doudou ma que a fia, le mokpokpo, peu kaka de diblibome, va seren woula nti. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'onoto le Christome. Bien aimé en Christ. Lé à ta Bible à le boblombe. Pour cela, la Bible dit Maoumenye majo majo to. Car Dieu n'est pas injuste. Maoussi yomi vela. Dieu qui nous a appelés, nous te peux aller ou il est fidèle. Dieu est fidèle. Ainsi, quiconque observe sa parole, quiconque observe ce qu'il a dit, l'Éternel ne l'oublie jamais. Non. Frères et sœurs, dans la Bible, un homme est appelé David. Et quelqu'un d'autre appelé Jonathan. La Bible dit nous sur Jonathan ou on a David. Que ce que Jonathan a fait pour David, il a fait de tout son cœur. Dans la vérité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, plusieurs années après, Jonathan mourut. Frères et sœurs, David va le faire doumla. Quand David régna, la Bible dit qu'il s'est souvenu de Jonathan. Et Dieu l'a suscité à se rappeler de Jonathan. Parce qu'il est devenu roi. Il est devenu un chef. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, David, n'oublie pas hier le passé. Souviens-toi donc de ce que Jonathan a fait pour toi. Et David a dit, il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse grâce? Le Jonathan ta. À cause de Jonathan,
Praise the Lord. Alléluia. L'autre le Christ au même. Bien-aimé en Christ. S'il est infiable. Ce qui démontre que nous tout ce que tu fais pour Dieu. Ne wonama ou pas mais. Que tu fais pour l'homme de Dieu. Ne que tu fais pour un enfant de Dieu. Mais le cas de Dina au ben. Je te rassure. Ma magblona au ben. Et Dieu m'envoie pour te dire. Et fait tout matin tio. Que tu ne manqueras pas de recevoir ce salaire. A fille me dit là. Pendant que je suis ici. Ma le fait tout gana mais Dieu va rémunérer ça. Ma ou la mais il a Dieu va bénir ça. Si pour la donc quoi mais Dieu dit. Ciel va se souvenir de certains. Praise the Lord. Alléluia. Le yata nyonyo ene kerimo. Pour cela soit animé de se réveiller. Et sache que abe o shine comme sentinelle. Nous sommes si homme là. Tout ce que tu fais. O gamin. Ton temps si on ne chona mau que tu consacres à Dieu. Ma o me yangule bo. Dieu ne va jamais les oublier. Abe koya o korale ne. Comme la chorale. O gamin. Le temps si on ne chona mau que tu consacres à Dieu. Allez si ne chole le doigt homme. Et ta façon de si pour me yangule bo. Ton travail le ciel abe groupe musical ne. Le groupe musical. Il y avait biblio vos efforts. Abe reza. Et pour venir mon Dieu il y a d'où ce sera un ami. Certaines fois c'est difficile. Quand même tout n'a dit. Mais vous persévérez. Yemi vana. Et vous venez. Si pour la donc mi a dit godo. Le ciel va se souvenir ma ou mi peu. Dieu ne vous oubliera jamais. Jonathan le dieu domain. Jonathan était dans le sépulcre. Elle est domain. Il était dans le tombeau. Quand nous si au pas. Mais ce qu'il a semé. Nous si au voilà. Ce qu'il a fait. Ma ou non donc quoi dit. Et Dieu a fait en sorte qu'on se souvienne de lui. Praise the Lord. Alléluia. Nous est ta Bible avec mon ami. C'est pour cela que la Bible nous a dit. Le Galates toba balin. Dans Galates. Et ta de. Le chapitre 6. Que qui a chéqué à. Le verset 9. Et ben minga bojo le nuni au homme. Il dit ne cessez pas de faire. Non viens mais minga bojo le nuni au homme. Mon frère ma sœur ne cesse pas de faire le bien. Dans ce temple, nos vieux frères et sœurs, on nous a enseigné à faire le bien. On nous a enseigné à être fidèle. On nous a enseigné à être pieux. On nous a enseigné à adorer Dieu. Et qu'il soit pur. Le simia wonwa. Ce que nous devons faire. Pour que Dieu nous bénisse. Et y a Monsieur Katadoto. Et tous ceux qui ont été obéissants. Yo ouais. Et pour le faire. Le de tout leur cœur. Et ben Jesse Alomti. Ils portent les signes. Ma ou le irao. Et Dieu les bénit. Bible ben. La Bible dit. Minga bojo le nuyo homme. Ne cessez point de faire le bien. Nous ne kau le nami ben nyekli omiawo. Une chose toi et moi nous devons faire. Yeni ben ya de jile. Ameti ameti que. C'est de décourager et quiconque veut faire le mal. Et décourage-le. Et donne-lui ce qui est bien. Donne-lui ce qui est bien. Disant, mon frère, là où nous sommes arrivés maintenant, nous devons faire ce qui est bien. Nous devons poser de bons pas. Pour cela, regarde cette parole de Dieu. Regarde. La fille. Regarde de l'autre côté aussi. Aussitôt, un zèle va l'animer. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Toi qui as fortifié celui-là. Toi qui as encouragé celui-là. Toi qui étais faible. Et celui qui était faible, tu as arraché ce qui est mal. Et, de son et tu lui as remis ce qui est bien. Et qu'est-ce que l'Éternel fera pour toi? Il te bénira. C'est pour cela que la parole dit. Dieu n'est pas injuste. Non. Dieu est véridique. Le Dieu qui nous a appelés. La Bible dit qu'il est fidèle. Et il peut le faire aussi. Et j'aimerais te faire savoir que le Dieu auprès de qui tu es venu, il est un Dieu capable. C'est un Dieu souverain. Il peut le faire. Pour cela, ne te décourage pas. Si tu tombes, relève-toi. Foutons le co. L'ennemi se moque de toi. Foutons le co nous. L'ennemi se moque. Elle est à l'homme. Et il fait de toi sa misère. Parce que tu es tombé. Mais la parole dit. Ne foutons. Mon ennemi. Me gano djijo pomme mtsinyo. Ne te réjouis pas. Elle a bené me djani là. Car si je suis tombé. Je me relève. Mon vigne fort. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Relève-toi de ta chute. Relève-toi de ta chute. Lève-toi parce que tu es renté. As-tu honte? Et qu'est-ce qu'on a fait contre toi? Débarrasse-toi de toutes ces choses. Reconnais que Dieu t'a appelé. Et il te dit, ne cesse pas de faire le bien. Frères et sœurs, les esprits qu'on appelle esprits de Tobija et de Sambalat, ce sont des esprits mauvais. Ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils affaiblissent l'homme. Ils découragent l'homme. Et ils se moquent de l'homme. Et ils font de l'homme leur risée.
Par cela, Novio, frères et sœurs, qu'est-ce que ces esprits disent? Ils disent qu'on ne doit pas nous connaître. Ils ne doivent pas nous, savoir. Jusqu'à ce que nous ayons détruit l'œuvre. Jusqu'à ce que nous les ayons tués spirituellement. Et ce bon zèle qui anime plusieurs pour faire le bien. Je vais poser cette question. Si quelqu'un doit être animé d'un bon désir, est-ce de la part de Dieu ou de Satan? Et Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Bible a promis ma ouwa jiji kple nuwo woda memelento be ngjeje la. La Bible dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire à nous selon son bon plaisir. Le Dieu qui nous a appelés, il va mettre quelque chose dans ton cœur. Aide tel frère. Fais quelque chose pour lui. Et vois-tu ce ton Dieu? Fais quelque chose dans sa vie. Novio, frères et sœurs, sois attentif à cette parole et observe cette loi. Je te rassure, que la bénédiction va frapper à ta porte le matin, va frapper à ta porte à midi, va frapper à ta porte à la nuit, va frapper à ta porte. Elle va continuer de frapper ta porte pour tes descendants. Alléluia. Alors ne cessez point de faire le bien. Et si vous ne vous affaiblissez pas de faire le bien, vous moissonnerez en temps convenable. Et pourquoi veux-tu céder? Pourquoi veux-tu rétrograder? Pourquoi ne veux-tu plus servir Dieu? Non, reviens. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Et reviens, reviens. Ôte l'affaiblissement. Qu'est-ce qu'on a dit contre toi? Oublie cette affaire. Parce que le Dieu qui t'a créé, il a dit de bonnes paroles. Alléluia. Et parce que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous m'invoquerez. Et vous prierez. Et moi je vous répondrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ne me voit pas mal. Nous sommes là. Tout ce en quoi tu te trouves. Non, vieux. Frères et sœurs. Si tu invoques l'Éternel, il va t'exaucer. Ton Dieu va t'exaucer. Pour cela, dis-toi, je ferai le bien. Ne cessez donc point de faire le bien. Si vous ne cessez pas, vous moissonnerez en temps convenable. Qui connaît le temps convenable de Dieu? Qui connaît l'heure de Dieu? L'heure où ta vie va changer. L'heure où ton commerce va changer. Où ta boutique va changer. Où ton foyer va changer. Où l'histoire de ta vie va changer. Personne ne connaît cette Bible. C'est pour cela que la Bible dit. Qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Soumets donc soumets-toi sous la toute puissante main de Dieu. L'humilité, c'est d'entendre ce que Dieu dit et de le faire et d'observer la parole de Dieu. La Bible dit, alors je t'élèverai. Adowo deji, alléluia, bobo dokyo, dema ute. Adowo deji, alléluia, bobo dokyo, yeah, dema ute. Adowo deji, alléluia, bobo, awo dema ute. Adowo deji, nyate pui. Il est vrai. Dieu t'élèvera. Si tu te soumets à lui. Si tu entends sa voix. Comme sa brebis. Il dit. Je t'amènerai sur des verts pâturages. Je t'amènerai auprès des courants d'eau. Je te prendrai par la main. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Le malheur ne s'approchera pas de toi. Car l'Éternel marche avec toi. Et la dizaine ne s'approchera pas de ta tente.
arrête jamais, jamais. Mais le toque, et tu le verras. Mais cela ne t'arrive pas. Parce que l'Éternel est dans le nom de Jésus-Christ. Que cela se réalise dans ta vie. Frères et sœurs, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est que Satan s'est soulevé. Il s'est tellement soulevé. Mais dis-lui ce matin qu'il est tombé. Alléluia. Et on il a fait quoi? Que c'est sa chute dans nous ta vie. Ce que la Bible a fomenté est détruit. Et c'est le dessein de Dieu qui nous sera réalisé. S'il est écrit dans le livre, sera réalisé dans le nom de Jésus-Christ. Pour cela, la Bible dit, que dit la Bible? Il dit, si nous devons le faire, 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 le faire. L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints. Novio, frères et sœurs, l'amour dont tu fais montre, ce premier amour que tu as, que Dieu a mis en toi, pour le servir, pour l'accomplissement de ses œuvres, pour les saints. Mon frère, ma soeur, qui sont les saints? Ton frère qui est à côté de toi. Ton frère qui est chrétien. C'est lui ce saint. Alléluia. Les hommes de Dieu sont les saints. Mon frère, ma soeur, il est dit, ne baisse pas les bras pour le travail. Et travaille de mieux en mieux. Et fortifie tes mains. Et sainte tes reins pour cela. Et fortifie d'autres personnes. Pour que l'œuvre continue. Pour que la bénédiction de Dieu, ses promesses, se répandent sur ta vie. Ainsi la Bible dit, ce zèle-là, obena de fia. Le mot popobe kakare di blibo va ser nous. On dit que tu montres ce zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance ou espérance. Vevier dodo. Le zèle, coutre coucou, la persévérance. Novio, frères et sœurs. Efune le pea. Est-ce que tu souffres? C'est quelle détresse? C'est quoi ce qui t'arrive? Tout vevier. Que tu persévères. Na bliho. Que tu t'efforces à tout me là pour le traverser. Elle a bien essayé comme ben. Quand tu as compris, y est bon à faire tout regain. Que tu seras rémunéré. Mahou, elle en coup d'ogé dit. Que Dieu va se souvenir de toi. J'ai pour la don coup y est. Que le ciel se souviendra de toi. Et y est où le y est regain. Et il te bénira. Novio, frères et sœurs. Enyasiala, cette parole. Enyavevi ouyé. Elle est très importante. Bena. Que tu l'acceptes, que tu la mettes en pratique. Pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Car il ne change pas. L'Éternel ne change pas ses pensées. Aula. Non. Non, mon frère, ma soeur, Léata, pour cette raison, il veut que toi aussi, tu ne changes pas tes pensées. Aula. Non. Bede. Jamais, jamais. Va se refifia. Jusqu'à maintenant, ce que j'attends ne se réalise pas. Bodjiri, patiente-toi. Bodjiri non vient. Sois patient, mon frère, ma soeur. Sois patient. Car l'Éternel vient. Et il le fera pour toi. Il va te le donner. Ne dis pas que j'irai ailleurs. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés nous ici. Tout ce dont nous avons besoin le en esprit, dans la chair, du côté du mariage, du côté du travail, du côté financier, frères et sœurs, et concevoir et enfanter, de la fille. Toutes ces choses sont nous ici. Nous sommes la fille. Frères et sœurs, tout est ici. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et t'as liqué. Pour cela, affermis-toi. Et n'a tout la bête de Dieu. Et sois fermé.
ferme comme palier, afin que ce qui est mis en toi, que tu puisses le mettre en évidence, et que rien ne te décourage. Non, jamais, jamais. Sois animé d'une nouvelle force ce matin. Dis-toi que je reviendrai à mon premier amour. Ce premier zèle qui revient. Ces premières prières. Et ce zèle que nous avions eu dès le départ. Et ce premier amour pour Dieu. Mon frère, ma soeur, que cela change. Lève-toi de ta chute, quelle qu'elle soit. Et reconnais que Dieu te dit qu'il a formé un projet pour toi. Qu'il a formé un plan pour toi. Et c'est ce plan qu'il t'a mené dans ce temple. L'air a sonné pour que ce projet se réalise. L'air a sonné pour que ce que Dieu a dit se réalise dans ta vie. Pour cette raison, réveille-toi de tout sommeil et dis au péché, péché, c'est fini pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Nous vont aller que péché ton pas. C'est fini pour toi. Elle a ben. Car maouti titre. Dieu s'est levé. Ben il allait y vieux basi pour prendre ses enfants par la main. Ben nous s'y est blanc là. Afin que ce qu'il a dit. Il y en a ben ou avant me la de le faire accomplir dans leur vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Maouti titre non dia. Dieu s'est levé pour toi ce matin. Ben nous s'y est blanc là. Pour que ce qu'il a écrit. Wana ou avant me le wa ben. Pour ce qu'il a dit qu'il se réalise dans ta vie. Le tel ben à notre né. Ainsi tu dois tenir ferme. À Monsieur Kata tote là. Tous ceux qui sont fermes et qui ne sont pas tombés, quand l'heure va sonner et quand ce moment va arriver, Dieu vient vers eux. Frères et sœurs, Dieu vient et leur donne sa puissance. L'œuvre qu'on veut que nous fassions, l'œuvre qu'on veut que tu fasses, tu as besoin d'être préparé. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu ne le feras pas avec ta force parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais c'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est l'esprit de l'Éternel. Pour cette raison, frères et sœurs, quand leur a sonné, la Bible dit, Dieu envoya l'ange de Dieu Gabriel vers Marie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et étant dit à la Dieu m'envoie vers toi aussi. Et les anges de Dieu sont parmi nous. Ben nous pour que ce que tu as dit, pour le mettre dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et il lui a dit, mais je te salue. Marie, je te salue. Toi qui, à qui on a fait grâce. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Novio, frères et sœurs, quelque chose a été dit d'avance. Et c'est juste une parole qui a été dite. Novio, frères et sœurs, cette parole qui est dite, c'est la Vierge va tomber enceinte. Une vierge va tomber enceinte. Et c'est ce que le prophète Isaïe a dit. Novio, frères et sœurs, cette prophétie existe. Et Dieu promenait ses regards. Dieu regardait les jeunes vierges. Dieu voyait dans les maisons, dans les villes, dans les quartiers. Pour voir qui est prête, qui tient ferme, qui est digne pour la réalisation de cette parole, pour manifester cette œuvre. J'aimerais te dire que notre père, Pasteur Toupa, Dieu l'a envoyé vers toi et moi. Et lui a donné quelque chose à nous. Remettre. Et parce que quelque chose est dit. Et cette prophétie-là. Frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu lui a donné les paroles qu'il nous prêche. Praise the Lord. Alléluia. Afin que tous ceux qui sont préparés, tous ceux qui ont reçu la parole, frères et sœurs, ce que Dieu a dit, que cela se réalise. Praise the Lord. Alléluia. Et ta
Mauto Gabriel. Ainsi Dieu envoya Gabriel. Loda Maria bon. Vers Marie. Et toi loda bon. Il l'envoya. Loda menya zagbeo. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas l'heure. Lui a tellement bien à connaître le cours. C'est pour cela que tu dois connecter ta vie à Dieu. Na le de ma unti là. Tu dois t'attacher à Dieu. Il se va là. Nous l'avons déjà entendu. Il se va na chorokyo anala. Et nous avons entendu que tu dois te donner. Il se va na. Et nous avons entendu aussi. Lève-toi. Que na dosi que le veuvier. Oh oh. L'accomplissement de la mission la plus importante. Nobio nyaume le tukolo. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas en vain. Mais le bon ma ou dodo. Je te dis que Dieu a fait. Il y a une prophétie. Il y a une promesse. C'est pour cela que nous sommes venus. Dieu a formé un projet à l'égard de tout le monde. Mon frère, ma soeur, bien-aimé en Christ. Quand l'ange de Dieu est venu, allons dans Luc, le chapitre 1er. Et nous allons parcourir cela rapidement. Nous lisons à partir du verset 28. Luc chapitre 1er, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mm-hmm. Le verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et yes, dola va me le ebola. Nous kabakbalen. Et ta gbancho kukubla evonia me le ma. Egblone bena medu bena wo wo amesi nu ove apeto likpli o ke po jila po le nyala nti eye wo deng blese bena nuka gbedona me gonye si eye dolala glone bena megavo o Maria ela bena ekwa me nu veve le maugo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Non vieux ma outo dolaruda. Mon frère, ma soeur, Dieu envoya cet ange. Elle avait gamé sous. Parce que l'heure a sonné. Ben nous si que ta malia le titrero. Pour que la raison pour laquelle Marie tenait ferme. Ou le benedoukui. Et qu'elle s'est préservée. Mais tu nous quittes nous beglomo. Sans se livrer au mal. Gamé sous ben. L'heure a sonné. Ma ouacho. Et dosi que. Ou dibe ya wola ni ba ya dia. Acho tout Marie a dit. Leur a sonné pour que l'œuvre que Dieu veut accomplir sur cette terre, qu'il la donne à Marie. L'entend le Christ, mon frère et sœur bien-aimé. Nos vieux lebemi a lebenami a rukio. Nous devons donc nous préserver. N'ayez de kakuivi. Si tu es jeune homme. N'ayez de tukuivi là. Si tu es jeune femme. Lebenami rukio. Préserve-toi. Elle a bena. Car. Ma ou blonyade chodadi. Dieu a dit quelque chose. Ma ou tungbeade dadi. Dieu a fait une promesse d'amour. Mais lebenami rukio là. Si tu te préserves. Mais gamia soula. Quand l'heure va sonner. Nous si ou blola. Ce qu'il a dit. Elle me va que le va se réaliser dans ta vie. Nos vieux si ou tungbeane là. Frères et sœurs, quand on l'avait salué. Elle me dit l'akpo. Elle fut troublée. Et l'ange lui dit, Maria, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras Jésus. Car il sera grand. Alléluia. Et voilà, Marie a Marie n'avait point connu d'homme. Marie, Marie n'a jamais couché avec un homme. Et pourtant, on lui dit elle le qu'elle tombera enceinte. Frères et sœurs, c'est cette parole qui se réalise. C'est la prophétie qui se réalise. Amen. Amen. L'entend le Christ. Bien-aimé en Christ. Bible la Bible dit nous que Marie a qu'est-ce que Marie a répondu? Bible ton vo Marie a dans la labena. Alors que nous sia
Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est là la limite de l'homme. Comment est-ce que ceci peut arriver? Comment peut-on le faire? Comment cela peut-il se réaliser? Frères et sœurs, tel que cela peut se réaliser, comment cela peut arriver? Une seule personne qui tient cela, c'est ton Dieu. Alléluia. Les choses impossibles peuvent être réalisées devant Dieu. Marie a réfléchi. Elle ne savait pas comment cela pouvait se produire. Je ne connais point d'homme. Pourtant, on me dit que je vais tomber enceinte. Comment cela peut-il arriver? Frères et sœurs, quelque chose se passe en ce moment-là. En même temps, la Bible dit, l'ange de Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé, oui, Saint. Sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, comment cela pouvait se produire? C'est que le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de Dieu va se répandre sur ta vie. C'est pour cela que tu dois tenir ferme. C'est pour cela que tu ne dois jamais mettre le péché dans ta vie. Ôte donc de ta vie le péché. Et consacre-toi entièrement à Dieu. Reçois la parole et mets-la en pratique. Ainsi, le Saint-Esprit qu'il descende sur ta vie. Car l'œuvre qu'on veut que tu accomplisses, c'est le Saint-Esprit qui te conduira. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'enseigner. Le Saint-Esprit, sans lui, tu n'y arriveras jamais. C'est pour cela que tu dois te préparer. C'est pour cela que ta vie soit remplie de la parole de Dieu et que tu te donnes à la prière et au jeûne afin de te mettre à l'écart pour Dieu. Car on dit que quand le Saint-Esprit viendra sur toi et que la puissance du Très-Haut te couvre de son nom, alors on mettra la parole en toi. On mettra en toi le dessein de Dieu. On mettra en toi le don de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Pour cette raison, tu dois être prêt pour sa réalisation dans ta vie. Car l'ange de Dieu, quand il a parlé à Marie et que Marie a répondu comment cela se fera-t-il, il lui a dit que la puissance de Dieu sera sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible devant les hommes peut se réaliser auprès de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a amené. Pour que tu crois que rien n'est impossible à lui. Qu'il peut changer la mort en vie. Qu'il change l'eau amère en vie. Qu'il fraye le chemin là où il n'y en a pas. Qu'il appelle les choses qui n'existent pas. Et qu'il vivifie ce qui est mort. Je remercie que cela soit réalisé. Toi qui es ici et que tu as perdu ton espérance, tu t'es marié plusieurs années, tu n'as pas encore conçu pour enfanter. Tu dis, oh, mais c'est fini. Je suis le reconnais que Dieu me dit que rien n'est impossible à lui. Tout est facile devant Dieu. Dieu, tout est possible devant lui. Toi qui n'es pas encore marié et que tu veux abandonner, tu veux te laisser aller. Non, ne baisse pas les bras et ne te laisse pas non plus aller. Car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce
Est-ce le problème d'emploi ou les problèmes financiers? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ben que Dieu, rien n'est impossible. Est-ce une maladie? Rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel guérit. Il délivre. Quand cela se manifeste, tout ce que tu espères est réalisé dans ta vie. Est réalisé dans ta maison. Est réalisé dans ton province. Est réalisé à tous les niveaux de ta vie. Ah, rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela Abraham, que Abraham que qui était fort, âgé, la puissance de Dieu est descendue Sarah, sur lui. Si que kunyaga, et Sarah qui était vieille, la puissance de Dieu est descendue sur Bible elle. Et la Bible dit Sarah, que même Sarah aussi a conçu et elle a enfanté elle parce que rien n'est impossible à Dieu. Non, frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Naneke, mesese namawo, yatano vikbojiri, nusio sese, ubo brogo ala, mesese namawo, naneke, mesese namawo. Tout ce qui est impossible à toi. Nusio kata bababla menele. Tous les liens dans lesquels nusio tu te kata. Trouves. Tout ce qui te presse, tout ce qui est une honte, m'autombe bobo ma glonondi ya ben. Je m'envoie vers toi pour te dire ce matin, que rien n'est impossible à lui. Je te wona nusianu. Que lui peut faire toutes choses. Nusie de maube. Et c'est ce qui démontre la grandeur de Dieu. Et c'est ce qui démontre sa puissance. C'est ce qui démontre sa divinité. Tout ce qui est impossible. Et qu'on ne peut même pas exprimer. L'Éternel peut le faire. C'est ainsi qu'il a accompli dans ta vie. Il a accompli dans la vie de ton homme. Dans la vie de ton homme. Il a accompli dans ton homme. Il a accompli dans ton homme. À l'école. Dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui est impossible. Nous sommes faciles maintenant. Tout ce qui était possible est faisable maintenant. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant on est là. Réalise, c'est la pour toi, Jésus Christ dans le nom du Seigneur. Jésus. Mets-toi debout maintenant. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Afisi, nous on se scelle. Afisi, nous on donna vos volets. Afisi. Boblo Boudé Olé Afima Maouvana Ale Meba Fisi Nouo Sesele Afisi Nouo Dona Vovole Afisi Boblo Boudé Olé Ao Afima Maouvana Meba Fisi Boblo Boudé Olé Ao Afima Maoufana Meba Fisi Nouo Sese Ele Afisi Nouo Dona Vovole Afisi Boglo Boudé Ole Aho Afima Maoufana Ale Afisi Boglo Boudé Ole Aho Afima Maoufana. Non, tu as fils, tu es quoi, Dora? Mon frère, mais ce partout, tu te trouves. Comment ça nous camène? Dans quoi es-tu? Nous que les jojom. Que se passe-t-il? Ne peux ma nata. Qui te pousse à ne peux ni maga temiola. Tu dis, je n'y arrive. Ne maga bachetiola. Que je ne pourrai plus. Ne maga souboma wola. Je ne vais plus servir. Aola. Non. Afisi noa sesele là. Là où les choses sont difficiles. Afima ma ouvana le. C'est là où Dieu intervient. Non, voilà sesele. Quand la guerre est violente. Et viens me dire où nous après. Ça veut dire que la victoire est proche. La victoire s'arrête. Et ça me gagbojo. Pour cela ne t'affirme car la victoire arrive et affermis-toi mon frère dans le nom de Jésus. L'Éternel ne t'a pas oublié, le ciel ne t'a pas oublié. Invoque-le ce matin. Dis éternel, je m'affermirai. Éternel, je tiendrai fort. Éternel, je me donne le nom que ta parole se réalise pour moi, que ton dessein se réalise, que ta puissance descend sur ma vie, que la promesse se réalise pour moi. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis un jeune homme. Je suis une jeune fille. Yeho, allez. Éternel.
secours-moi, sauve-moi. Alors prions tous ensemble. Partout où tu te trouves, car les gens de Dieu sont venus de nous. Le Saint-Esprit marche au milieu de nous. On change les choses. On apporte la parole de Dieu. Sa promesse est apportée. Cette don soit apportée. Reçois pour ta femme. Reçois pour ta femme. Tout lien dans lequel tu te trouves. Toujours. Nous cocos, nous cocos. L'engona ola. Qui est devant toi. On les renverse. On les banfifi là. On les brise. C'est le temps de l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes des camélios là. Yo Yehova, invoque les diamants. Il dit que si je conçois quelque chose, qui peut le détruire? Me be, si je dis oui, me be, qui dira non? Yo Yehova ben kola. Invoque le nom de Dieu. Invoque le maître. Et les hommes le miettent. Oui, il marche au milieu de nous. Dieu la fima. Il a posé sa main sur toi. On met la parole en toi. Et pour nous sans le cocom de Dieu. Sa puissance se répand sur toi. Le Dieu va là. Le Saint-Esprit descend sur toi. Tu vois plutôt pour nous sans. La puissance du Très-Haut. Elle va voler ton de Dieu. Elle te couvre de son nom. Elle te couvre de son nom. Nous sans le garde ma ola. La puissance entre en toi. Benatema ou Adola. Pour que tu puisses accomplir. Nous sans le roi Benaola. Que l'Éternel veut que tu fasses. Ohane le beau fou fougue là. Si tu vas le concevoir, de tu vas le mettre ne le mettre Google là. Et tu vas persévérer. De et pour le manifester, Yehua donc Éternel souviens-toi. Le Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu entre en elle toi. Le elle te pénètre. Elle sillonne ta personne maintenant. Le Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus dans le nom du Seigneur Jésus. Le Jésus dans le nom de Jésus. Blek 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 ma oupe amewo mi blabo sanfeto. Black, 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 ma oufe a meo, mi blabon sans photo. On a mis nous sabe, mi a blabon sans photo. On a mis nous sabe, mi a kaka, mi a nuela. Mis oingo, mi gavo, mi a waba, ne mi a doji. On a mis nous sabe, mi a blabon sans photo. On a mis nous sabe. Mia kaka, mia nyola, mizo ingo, mingavo, mia wava, ne mia. On a on nous sabe na bla bon sambato. On t'a donné le pouvoir de détruire on les on nous sabe na kaka nyanyula. On t'a donné le pouvoir de détruire les on nous sabe. On t'a donné le ben pouvoir de manifester le dessein et de Dieu. Et ta gogo siak gogo. Pour cela tout esprit. Nous sommes des chiens. Tout est puissant. On est kaka. Qu'il soit détruit. On est troquette. Qu'il soit néant. Les Jésus ben dans le nom de Yehua Jésus. L'Éternel se lève. Un peu futo kaka. Tous ses ennemis sont Yehua dispersés. L'Éternel se lève. Un peu futo kaka. Tous ses ennemis sont dispersés. On a mis le pouvoir sur ta bouche. Et contre l'adversaire et l'ennemi. Pour qu'il soit confondu. On est caca. Qu'il soit totalement détruit. De chiade. Tout esprit. Tout esprit. C'est que tu titre là. Qui se lève. Nous si où aglama femme. Que ce que l'Éternel a dit n'arrivera pas dans ta vie. Ne pas quelqu'un. Nous l'écrasons totalement. Qu'il soit confondu. Là. Tout à l'heure. Descende. Comment le. Caca et bon moussa. Détruit son pouvoir. Yes, la puissance du Saint-Esprit. Elle est comme le Dieu là. Elle descend sur toi. On le donne nous le on change les choses. On le donne nous beaucoup de chair là. On enlève tout ce qui est ancien. Nous et on te donne une on le doit où y on te revêt de le Jésus Christ dans le nom de Jésus. Et pour nous n'annons le cœur de Wagbem. Et pour nous sans le cœur de sa puissance te pénètre. Le Jésus Christ
Dans le nom de Jésus. Toute maladie de la tête jusqu'à la pointe des pieds est consumée maintenant. La puissance de Dieu agit jusqu'à ta vie. Agit jusqu'à ta maison. Agit jusqu'à ta chambre. Agit jusqu'à ta chambre. Dans ta boutique. Dans ton lieu de travail. Dans le nom de Jésus. On a ôté tout ce qui est ancien. On les a tous ôtés. On les a brûlés au feu. Reçois ta guérison. Partout où tu te trouves. Rétablis-toi maintenant. La puissance de Dieu t'a délié maintenant. Le miracle s'est opéré dans ta vie. Car rien n'était possible. Tout ce qui est impossible dans ta vie. Autres sont des choses possibles. Autres nous sont des choses possibles. Lève-toi et marche maintenant. Jésus-Christ dans le nom de Jésus. On t'a ouvert les yeux maintenant. On t'a délié maintenant. On t'a oué d'une nouvelle vie. Voici ta coupe de vente. La bénédiction répandue sur ta vie. Ce que tu as dit d'avance. Avant le commencement des temps anciens. On t'a dit. On l'a posé sur toi maintenant. On l'a introduit dans ta vie maintenant. Elle est entrée dans ta vie. Le Jésus-Christ open comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ open comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ open comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Avala towe. Avala towelo. Mia fenusa. Matema weo. Mia fenunya. Mate maweolo avala to owe avala to yesu avala to owelo miapanusa mate maweo miapanunya mate maweolo avala to owe. S'il vous plaît, mettez votre main droite sur la poitrine. Et croyant Dieu. Car rien n'est impossible à lui. Le Seigneur est esprit. Et partout où se trouve l'esprit du Seigneur. Il y a la liberté là-bas. Il y a la guérison là-bas. Là, les choses mortes reprennent vie. Là, les choses impossibles sont réalisées. Que cela se réalise dans ta vie. Sa puissance sillonne ton sang. Elle sillonne tes os. Et on met la sagesse dans ta tête. Et sa puissance te pénètre. Les dons spirituels descendent sur nous. Les dons de grâce descendent sur nous. Tous les malades qui sont dans son temps. Recevez votre guérison maintenant. Rétablis-toi. Tout esprit qui est entré dans les enfants de Dieu. C'est aujourd'hui que l'Éternel a établi sa main. Vous a totalement détruit. Elle vous a détruit. Elle vous a fait sortir. Ainsi le peuple de Dieu est délié. On a redonné vie au peuple de Dieu. L'Éternel est une pluie. Et qui est descendu sur toi. Un nouveau jour s'est levé dans Boda ta vie. Voici la nuit est passée. Et l'aurore se lève pour la marche à la lumière de l'Éternel. Nous sommes tout ce que tu entreprendras à partir d'aujourd'hui va réussir pour toi. Va réussir pour toi. Va réussir pour toi. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ. Je merci à toi. Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Assoyons-nous. S'il vous plaît. Les paroles de Dieu se sont réalisées pour toi. Et tu n'es plus comme avant. Car une nouvelle chose s'est produite dans ta vie. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout pour la bénédiction. Nous, dans
Eya tama dakbene o dakbene e chojime o alleluia noga o yeso ona o eya tama dakbene o dakbene oh, alleluia, amen. Et alléluia. Meye ape ta fe ya me cha ve ena Nyama umie dape nao. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous t'élevons. C'est toi qui nous as exhortés ce matin. Nous demandons de tenir ferme pour toi. Pour cette raison, ta puissance est entrée en nous. Toi qui es le bien-aimé de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Que sa main de grâce repose sur toi. Sa paix règne dans ta maison. Quelle que soit la situation, tu tiendras ferme, inébranlable. Et tu seras fidèle. Et ce jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Tu prospères. Va dans cette puissance. Car le Seigneur est avec toi. Et ne t'abandonnera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici que c'est ça. Et acclame très fort, Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. À trop de nos vies ont dit. Tourne-toi vers ton frère. Agbleneba. Et dis-lui. Ao Novinha! Ao Novinha! Ancien! As-tu entendu? Ensegbefenya! As-tu entendu les paroles d'aujourd'hui? Ganotenunyuwolo! Ne te lasse jamais de faire le bien. Yedinawe! Continue de le faire. Fais tout lundi. Car il y a une rémunération. Emelanyo no godo! Tu vas prospérer. Le Jésus-Christ au point commun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, agneau no godo. Assurément, tu prospéreras.